Bonjour à tous et donc bienvenue pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo reprise on va dire de YouTube. Alors pourquoi reprise? Bah notamment vous avez pu le voir qu'il n'y a pas de vidéos qui sont sorties sur YouTube depuis la fin de l'année dernière. Alors il y a une raison à ça, une énorme raison, et d'autres raisons qui fait que d'ici début 2019 il n'y a rien eu du tout non plus et que ça s'est poursuivi. Alors déjà avant de parler de l'avenir de la chaîne YouTube et de comment elle va être utilisée, on va déjà parler de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé des choses, hein, notamment ma vie personnelle a fait déjà que il y a eu pas mal de changements. Une personne est venue en fait dans ma vie détruire un peu une partie de ce que j'avais fait, en quelque sorte, foutre un peu le bordel. Et donc bon, après il a fallu un petit peu de temps pour me relever de cette trahison, on va dire. Ensuite, j'ai subi des coups durs avec le décès de Dio, donc mon premier lézard, mon premier gécolopard. Et de Lily, donc ma première tortue, mon tout premier reptile, donc était déjà là avant l'arrivée, donc avant la naissance de l'île aux tortues, on va dire. Donc c'était vraiment un sacré coup dur dont j'ai encore vraiment du mal à me remettre. Comme vous avez pu le voir aussi, j'ai une grosse perte de poids comparée aux dernières vidéos. J'ai perdu 20 kilos en tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment secoué. Ensuite, le travail a fait que j'ai pas vraiment pu en sortir des vidéos. J'ai pas pu faire de tournage non plus. Enfin, du moins pas beaucoup. J'ai fait que sur les bourses reptiles que j'ai repris. Parce que j'étais engagé, donc quand je suis engagé quelque part, j'y vais, même si j'étais pas au top. La motivation a fait que j'en avais pas du tout en fait pour tourner. J'en avais juste pour mon élevage et pour continuer à vivre, mais pas pour YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai un peu lâché cette partie-là. Pas définitivement, parce que je suis de retour. Mais voilà, c'était pas une priorité. Je m'étais arrêté à Montreboîte et Bourse Reptile, donc j'allais reprendre sur celle d'Azé. Donc elle va se relancer, hein. Celle d'Azé est tournée et montée, il n'y a pas de problème, mais il y a les autres qui vont être montées, puis je vais les lancer, je ferai une speed spéciale, on va dire, pour en lancer avant d'aller à Béthune. Du moins, je vais essayer de finir avant d'aller à Béthune. Donc voilà, parce que nous, on reprend les bourses en tant qu'exposants pour Évreux, le 1er septembre prochain. Donc voilà, donc je vais essayer de revenir un peu ça. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, notamment une foire aux questions, j'en ai jamais fait. Donc pourquoi pas, on va se lancer là-dessus. Ensuite, j'avais planché sur une autre vidéo, alors pas forcément, pas un petit journal, mais une petite émission qui reviendrait régulièrement tous les 2-3 mois, histoire de quoi. Donc déjà ça, et un petit jeu concours par notre partenaire Reptile Blade, qui nous a fourni des lots justement exprès pour ça. Donc le lien de sa boutique est en description, donc vraiment du bon truc, enfin des bons petits t-shirts, des bonnes casquettes, des bons petits sacs. Enfin bon, il y aura des lots à gagner dans ce concours-là. C'est prévu. Faut que je décide un peu ce que je vais faire comme concours. Histoire que ça fasse un truc bien sympa et que beaucoup de monde participe, ce sera l'idéal. Donc voilà, ça c'est les priorités de YouTube, on va dire. Alors la chaîne YouTube en elle-même, ça ne sera pas une chaîne comme un YouTuber peut en faire avec des vidéos toutes les semaines ou tous les mois ou machin. Les vidéos seront principalement irrégulières, on va dire. Dès qu'une bourse sera faite, une vidéo sera tournée et sera postée sur la Montreboîte et Bourse Reptile. Après, sinon, ce sera des vidéos occasionnelles, par exemple, s'il y a des sujets que j'aimerais traiter ou faire une petite émission qui serait récurrente sur la Terrario. Après, bon, c'est pas encore décidé, il n'y a pas de projet dessus. Après, si je trouve une personne assez sympa à interviewer, des personnes qui font les choses bien pour les filmer, enfin bon, voire des particuliers qui sont chez eux qui détiennent juste un animal, machin, qui aimeraient en parler aussi, c'est pourquoi pas, hein. J'avais vu un très bon concept sur la chaîne Inside Saurien qui était de demander aux gens, à leurs abonnés, des petites vidéos de leur installation pour en parler en fait. Et c'est pas plus mal, j'aime bien le concept parce que ça permet de faire découvrir la Terrario dont on ne parle pas. La Terrario dont beaucoup aiment critiquer, beaucoup grandes de l'élite aiment critiquer. La Terrario, donc des personnes qui parfois débutent, parfois n'ont qu'un seul reptile tout simplement, mais qui font des bonnes choses. Ou qui peuvent avoir besoin d'aide. Tout simplement, c'est rien n'empêche, avoir de l'aide, c'est rien. Se tromper, faire des erreurs, on en fait tous, sauf l'élite, hein, bien sûr. Mais voilà, après voilà, c'est comme ça, c'est un bon concept et j'ai bien aimé ça. Et bon, après, je leur piquerai pas le concept, hein, c'est le leur. Hein. Mais pourquoi pas le développer sous d'autres formes aussi, c'est pas si mauvais que ça. Mais j'ai bien aimé leur concept, hein, donc les gars, continuez comme ça. Hein. Mais voilà, après voilà, je suis pas fermé. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, vous pouvez le mettre en description enfin en description, en commentaire de la vidéo, hein, y a pas de soucis, et puis on en débattra et puis on verra ce qui peut être fait.
Voilà, donc sachant que je travaille énormément, c'est pas pratique, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux pour alimenter un peu plus la chaîne. Mais voilà, donc enfin voilà, donc je suis de retour. Après, je sais pas combien de mois, mais voilà, donc les coups durs sont, j'espère, totalement derrière moi. Et on va essayer de relancer ça le plus rapidement possible. Et voilà. Mais en attendant, vous pouvez quand même nous suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Où nous sommes présents, l'îleautortue.fr également, hein, donc le site qui marche plutôt pas mal. D'autres articles vont venir aussi là-dessus, donc ça j'en parlerai peut-être plus tard. Donc voilà, donc bah tiens, on va en profiter de cette petite vidéo d'ailleurs pour lancer donc notre foire aux questions, tout simplement. Donc si vous avez des questions que vous aimeriez nous poser, peu importe le sujet. Ça peut être sur les. Donc même les serpents si je connais, hein, les lézards, les tortues, l'élevage, la vie, ma vie perso, tout, enfin tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions que vous voulez poser, une, deux ou plusieurs, voilà, je sélectionnerai ou je les ferai toutes. Hein, je suis pas inquiet. Donc posez vos questions en description ou par mail sur lilotortue@gmail.com. Vous posez vos questions et puis j'y répondrai bien sûr hein, dans la foire aux questions, la vidéo foire aux questions. Voilà, donc bah là je vais continuer à faire les tournages des autres vidéos et bah on se dit à plus tard. Allez, salut!